Enfin, peut-être. Suis-je en ligne? Ça m'a l'air pas mal. Bien. Fermons Discord. Retrouvons Cuphead déjà, voilà. Ah. Bon, voilà. Retrouvons un nouveau Cuphead. Ça y est! Va pouvoir s'y remettre. Je suis à 47%. Seulement. Donc nous étions là. Je venais de finir le piaf, c'est vrai. Enfin, je venais de finir. Comment vous dire? C'était il y a quelques temps, je sais plus. Je sais plus quand est-ce que c'était le dernier live Cuphead que j'ai fait. C'était il y a très longtemps. Bonsoir Idol. J'espère que ça va. Et voilà. Donc ici, j'ai regardé un petit peu la fin du coup du précédent. Salut Brichoco, merci pour la bonne rage. C'est... Bon, on a l'habitude, hein, sur Cuphead. Il me restait ce mausolée là à faire. Ça va bien, je suis super content. Franchement, super, je suis super content de reprendre ce jeu parce que même s'il est super dur, je l'adore. C'était quoi ça? Ça devait être le génie ou un truc comme ça. Hein. Donc il me semble qu'il y avait un boss, le mausolée là à faire et un niveau. Bah, pas de soucis, Idol. Hein. T'es arrivé un peu tard, t'es arrivé un peu tard, c'est pas un problème. Bon, sauf si du coup, toi, tu voulais vraiment être là pour le live Hyrule Warriors. Mais bon. Y a pas de soucis. Donc, j'ai prévu d'arrêter ce live vers 23h. Si ça se trouve, on va arrêter vers 10h du matin. Alors par contre, voilà. Faut que je me souvienne comment on joue. Les trucs roses. Voilà, faut appuyer sur A. Quand on arrive dessus. Ça, c'est juste une mise en jambe parce que le mausolée, enfin en tout cas le premier était très facile. Ah! Ouais, je suis pas arrivé. Je suis arrivé assez loin quand même. Bon, le précédent, j'avais réussi à le faire du premier coup. C'est dire à quel point c'est quand même assez easy. Drôle. J'ai l'impression qu'ils sont pas du tout. En fait, ouais, c'est ça. Ils arrivent pas du tout avec le même. Le même timing en fait. Le tout c'est qu'il faut vraiment arriver à faire ces sauts. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh merde! Mince! Sacrebleu! Le tout. Bon, il faut avoir un peu de chance, hein, parce que des fois le timing n'est pas très arrangeant vu qu'il est aléatoire. Genre ma deuxième partie, j'en ai eu deux qui sont venus en même temps. Et bon, bah après c'est un peu moi aussi qui savais pas trop comment aborder le truc. Bon, enfin bon. Je pense que ça se voit que là dans le cas présent c'est pas très dur. Putain, les vieux ils vont vite quand même. Le tout c'est aussi, il faut vraiment avoir le timing avec justement le fait d'appuyer sur A au moment où on croise un rose. Voilà. C'est facile, Cuphead, en fait.
Dans ma main, elle m'a donné un deuxième truc. J'ai débloqué un nouveau super. Super Art, donc Devastating Attack spills from your head horizontal on the ground of her. Et celui que j'ai débloqué, c'est ça, c'est l'invincibilité. Cross the astral plane to become invulnerable for a short time. On va garder ça, je sais même pas comment on fait pour le déclencher, le super, j'ai oublié. Je crois que je vais réapprendre en fait à jouer. C'est facile que Bedorfen, on en reparle dans 2 heures. C'est un peu l'idée, ouais. Ah, je vois le niveau que j'ai pas fait là. Oui, parce que comme je disais, j'ai noté fin du stream à 23 h, si ça se trouve, ce sera 1 h du matin, quoi. Ah, d'accord! D'accord. D'accord, il faut faire un saut bizarre là. Ouais, mais ça je les gère comment, concrètement? Oh, rose. Je sais pas du tout comment faire hein, pour le gérer ce truc. D'accord. C'est un peu chaud quand même. Oh là. Faut toucher l'œil, j'imagine. Ok. C'est vrai que j'ai un tir aussi, du coup. Je viens de m'en rappeler. Voilà. Le tout, c'est de bien comprendre comment tout ça fonctionne. Hein. Aïe. Merde, j'ai pas vu les lèvres. Bon, c'est pas grave. Run and gun! Ouais. Bien. Ce jeu m'a bien eu. Merde.
Là. Bon, j'ai tous mes points de vie et là je sais que... ça va, c'est relativement simple. Oups. Juste être attentif, c'est tout. Oh le con. Merde. Là c'est moi qui ai fait le boulet. Merde. Qu'est-ce que c'est? Ouais, tu te calmes. Merde. J'ai raté mon truc. L'air de rien. Je suis allé assez loin. Le niveau n'a pas l'air très long. En tout cas, moins long que celui du cirque ou je sais plus quoi là. Si vous vous souvenez du niveau du cirque qui était particulièrement long, avec des ballons dans tous les sens, dont certains qui avaient l'air d'avoir pris un bain de drogue. Hop là! Merde, j'ai pas. Je regardais s'il y avait eu des messages sur le chat et en fait. Bah déjà non, et puis du coup ça m'a déconcentré. Merde. J'ai fait n'importe quoi. Alors, Staffy. Merde. Je me suis trop avancé. Ces jouets canards sont un peu flippants quand même. Merde, c'est vrai. Ouais, parce qu'arriver à un moment, c'est bon, hein. Aïe. Oh putain. Eh merde. LJ, tu sors. Rien que pour cette phrase, tu sors. Mais bonjour quand même. Ça va pas de balancer des phrases indécentes comme ça sur un stream tout public. Merde, c'est vrai. Au moins c'est simple, les voitures sont faciles à prévoir, elles viennent pas... Bah, disons qu'ils auraient été capables de faire ça, les concepteurs du jeu, de faire apparition des voitures en haut ou en bas, mais de façon aléatoire, quoi. Hop là, attention. Mais... Putain, ils arrivent beaucoup trop vite. Tout va bien.
Ah, il fait peur ce niveau. Oui, un petit peu. Quelqu'un insulte. C'est la personne qui a arrêté de dire qu'il avait vaincu. Mais c'était vrai! Oh putain! Allez. Mais non! C'est bon. J'ai déjà plus que 2 points de vie. Je sais pas comment j'avais, je sais pas comment j'ai fait pour m'en tirer tout court en fait. Ah, oh, j'ai tiré trop tard. Version Switch et non, je suis même pas sorti. Version Switch, non, ça n'existe pas, sa version Switch Cuphead. Je crois qu'il a été fait en partenariat avec Microsoft, donc il y a très peu de chances qu'on le trouve sur Switch, hein. Même si, ok, maintenant il y a le crossplay avec Xbox, mais. Je pense. Du crossplay à une exclue, il y a quand même. Il y a quand même un gouffre. Voilà. Donc ouais non ça, à mon avis c'est dommage parce qu'il aurait peut-être je trouve qu'il aurait bien sa place mais Cuphead sur Switch ça m'étonnerait que ça arrive un jour ou alors pas avant vraiment longtemps. Enfin, ça me rend tellement nostalgique des anciens dessins animés ces trucs. Ah merde, il nous. Ah. Exclu Xbox PC, oui, c'est ça. D'où le fait qu'on le retrouve que sur Xbox et Windows. Ah non. Mauvais discernement. Oh, attention. Ah. D'où le fait que je joue avec une manette Xbox du coup. J'ai une manette Xbox, mais je n'ai pas de Xbox. Mais bon, c'est quand la manette Xbox pour jouer sur Windows, c'est quand même le mieux. Oh, sérieusement. Wow! On se calme. Oh putain. J'ai trouvé ça chaud. Je l'avais jamais vu sur Switch, je le prends direct, hein. J'aime beaucoup ce jeu. Et le fait d'y jouer du coup partout, ce serait trop bien quoi.
Attends, je vais rester ici, je veux avoir cette pièce. Oh, sérieusement? Merde, putain. J'étais mauvais! Aïe aïe aïe. C'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai. Je sais pas pourquoi j'ai sauté. Ah putain. Punaise. Sacre bleu. Mais... Ah. Voilà. Là, on est pas mal. Non! Pourquoi j'ai fait ça? J'arrive vraiment pas à dépasser ce point. Hein. Ah oui. Merde! Mince! En fait, il y a un truc qui est assez difficile à gérer quand même dans ce niveau, c'est le fait que quand on fait un saut sur le truc rose là, on fait un espèce de rebond bizarre. Aïe! J'ai pas vu venir. Enfin, je l'ai pas vu venir. Si, je l'ai vu venir, mais... Je pensais que j'allais pouvoir le buter comme ça, tranquillement. Ah! Prochaine étape, les Dark Souls. Pourquoi pas? Bah, de toute façon, j'attends le Dark Souls Remaster sur Switch. Non, mauvais bouton. Bah, de toute façon, vaut mieux... Là, en fait, quand on arrive ici, vaut mieux se mettre en haut. Parce que sinon, comme là, la carte pour monter, elle est juste à côté du truc. Si jamais on se fait prendre par surprise par des voitures qui arrivent en bas, bah c'est... On se fait avoir, quoi. Hop là. Merde! J'ai foncé dedans. Couillonneau. Ah ouais, mais non.
Ouais, tu sais, LG, moi aussi, il y a plusieurs jeux que j'avais déjà sur d'autres consoles et que j'ai repris sur Switch parce que bah, c'est la Switch, quoi. C'est la Switch et bon, peut-être pas les jeux qui pourraient déjà exister en version portable, mais les jeux en version console de salon, c'est juste un plaisir d'y rejouer en version nomade, quoi. Hop! Voilà, c'est de ça que je voulais parler. Et maintenant je peux remonter. Parce que maintenant ça va alterner entre haut et bas normalement. Aïe. Mouais. Bon ça ouais, j'imaginais bien que ça faisait rien. Merde, j'étais tourné dans l'autre sens, mais qu'est-ce que je foutais? Non, c'est bon. Très bien. Ouais, mais non. Qu'est-ce que... Ah non, d'accord, fallait le tuer, quoi. Ah, I love your smile, salut! J'espère que ça va bien. Ça va bien aussi. Tellement pas, tellement bon pour mes nerfs. J'avoue qu'il est un peu stressant. Bon, moi j'arrive plutôt bien à garder mon calme, heureusement, là-dessus. Mais tu sais que, bon. T'as pas vraiment le droit à l'erreur, quoi. Ah, imagine-toi que il est quelle heure? 39. Ça doit faire 20-25 minutes que je suis sur ce niveau, un truc comme ça, peut-être. J'ai pas respecté ce que j'avais dit tout à l'heure. J'avais dit qu'ici, il fallait toujours se mettre en haut quand on arrive. Pourquoi je me suis pas remis en haut, surtout? Donc là, j'ai enchaîné deux erreurs, je terminerai pas le niveau, ça c'est sûr. Je le continue quand même, histoire de m'entraîner. Non, c'est pas une bonne idée. Ouais, voilà. En week-end, j'ai bossé que 2 jours cette semaine et aujourd'hui je fais une petite journée parce que j'ai été appelé cette nuit. Ah oh ouais, terrible les astreintes, surtout pour vous, je crois. Ouh. Banal of your smile, cause est en week-end. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas de modo ici. Parce que d'habitude, en fait, sur mon channel YouTube, il y a LG, Eidol, Gold aussi qui sont modo. Est-ce que je remets des modos tout de suite? Le problème avec LG, c'est qu'il dit pain au chocolat. Et c'est un pain au chocolatiste extrémiste, donc est-ce que je le remets en modo sur Twitch? Oui, il faut quand même quelqu'un qui donne le bon exemple aux enfants, quoi.
Ça commence à craindre. Pain au chocolat, Tim. Non mais arrêtez avec le pain au chocolat, s'il vous plaît. Où est Akialine, s'il vous plaît? Rééquilibrons la force. J'ai mal envoyé mon laser. Enfin, mon laser. Ma boule d'énergie. Petite pause. Non, 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 non. Et on n'est même pas face à un boss, hein, quand même. Aïe. Ouais, là, je le sentais un peu venir quand même. Continuez à dire pain au chocolat et j'arrête le stream. Finalement, je crois que j'ai bien choisi le titre de mon stream. Hop là. Attends, vite! Aïe, aïe, aïe. Putain, mais comment les étoiles, elles ont pas l'air méchantes? Enfin, à leur canon près. J'ai poussé le joystick vers le haut au lieu de le pousser vers la gauche, vous le croyez ça? C'est chantage, c'était quoi ce creep? Ce message de LG n'a jamais existé, on est d'accord. Vite. Non, je me suis vu déjà réatterrir sur le truc. Je me suis dit non, c'est mort. Bien. On y croit.
Yes. Ok. Oh putain. Ouais, bon là ça va être mort hein. Oui, là je savais pas trop comment faire. C'était chaud. Allez. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouh! C'est con, mais ces espèces de bisous volants, ça fait partie des trucs qui me retirent le plus de points de vie. Fais bisous! On fait la suite avec un seul point de vie, bien sûr. Non, c'est une mauvaise idée. Des bisous un peu violents quand même, c'est ça. C'est le bisou de la vieille tante aigrie en fait. J'ai une super photo de toi maintenant, Kelten, je l'ai mise sur Discord. Ouais. J'ai peur. Bon, deux points de vue. Meilleure photo du monde. J'ai peur. Oui, j'ai pas mis de bot encore sur Discord. Mais de toute façon, si tu scrolles en bas, en fait, il y a le lien vers le Discord. Je vais voir parce que. J'ai. Oh mon Dieu! ouais, on dirait que je ressors tout droit de Shining, quoi. Concrètement. Bien prise, bien prise, bien prise. Elle est bien prise. J'aime beaucoup cette photo. Non, c'est une mauvaise idée, ça. Voilà. Vous allez finir par connaître ce niveau aussi bien que moi, en fait. Aïe. Ça devrait devenir. D'où mon titre Shining 2, le retour. Ah, j'ai pas vu. Mais elle est très bien prise. Félicitations. Ah merde. Mais je veux la pièce, moi. Ah, par contre, je veux bien ça. Ah! Oh! Ah merde! Oh, ça a servi à rien! Oh la loose! Putain, ça y est, un seul point de vie pour tout faire, génial! Surtout que l'espèce de trombone là. Non, c'est un tuba! Voilà.
Le tuba, il est chaud en fait. Je sais pas encore comment me le faire en fait. Je crois qu'il faut que je change. Voilà. Non! Hop là. Oh oui! Super. T'as la prise de risque. Hop là. Est-ce que je vais réussir? Merde, c'est vrai que faut éviter lui de. Putain! Comment je fais pour le passer ce truc? Non. Nickel. Ouais, dommage, j'ai laissé passer une super occasion. Là, j'étais super bien parti. Remarque, à force de bien faire, là, je suis pas mal parti non plus, hein. Oh putain. Mal calculé. Allez. Truc c'est que quand il reprend sa respiration là, faut être calme. Calme et concentré. Oh oui. Oh oui. Oh non. En fait, faut rester en haut. Et demain, Mario Tennis, effectivement. Même si moi, j'aimerais bien l'avoir en version boîte et je l'ai pas précommandé. Et j'ose pas aller le chercher. Enfin, dans mon état, en fait, j'ose pas aller le chercher au magasin, quoi. Et Yanouche, qui, je pense, va être occupé demain. Du coup, ce sera. Peut-être pas avant la semaine prochaine, mais c'est dommage parce qu'il m'a fait envie en fait avec le tournoi, même si j'ai pas arrêté de perdre. Les deux seuls combats que j'ai gagnés, c'était par forfait. Mais il avait l'air bien. Non, vraiment, le jeu que j'attends le plus, il sort une semaine plus tard. Voilà, moi qui commence à parler là. Allez, un seul HP. Voilà. C'est la réédition de Crash Bandicoot Collection là. J'ai très envie de le faire. Parce que Crash Bandicoot, c'est pareil, c'est un héros que j'ai beaucoup aimé dans ma jeunesse. Avec Crash Nitro Kart typiquement. J'ai énormément joué à Crash Nitro Kart. Puis à. J'avais Crash Bandicoot XS sur Game Boy Advance aussi, j'aimerais bien en faire un let's play, un de ces quatre d'ailleurs.
Mais après, j'ai très peu joué au premier. Et les premiers qui... En fait, j'avais... Le c'est con, mais j'avais perdu patience très vite parce qu'ils étaient quand même assez exigeants, bien plus exigeants que les Crash Bandicoot. Merde. Crash Bandicoot auquel moi j'avais joué. Et du coup, j'avais perdu patience. Mais maintenant que je sais à quoi m'attendre, ça passera mieux, quoi. C'est un die and retry comme Dark Souls. Merde. Le Cuphead, bah oui. Bah, de toute façon, ça, c'est la base du jeu, le die and retry. Ça y est, je me mets à confondre tous les boutons. Oh oui, oh non. Merci pour le clip, LG. Mais ouais. Bon, merci d'avoir immortalisé un de mes plus grands fails sur ce jeu. On va se calmer. Merde, non. Putain! J'arriverai jamais à me les faire du premier coup, ces canards. Les canards roses. C'est avec plaisir. Vu que j'ai pris Splatoon, je pourrais pas prendre Mario Tennis pour le moment. Ouais, j'ose espérer que du coup tu regrettes pas l'achat de Splatoon. Enfin, t'avais l'air d'être de bien accroché de ce que j'avais vu sur Discord. Ouais, bon. Autant dire que c'est mort, je finirai pas à ce niveau-là. Enfin, avec cette vie-là, je veux dire. Merde, j'ai couru sur le boulet, quoi. Non, je ne regrette pas, mais les 3 jours, ils ont fait les seuls. Ouais, 3 jours, oui. De quoi, désolé. Je sais même plus ce que je disais à ce moment-là. Donc, je sais même plus pourquoi je disais désolé, du coup, je sais pas. J'ai sûrement le cerveau retourné avec ce niveau-là. Et ça, la porte et le saxophone font un peu, on va dire, office de mini-boss, hein, finalement. Je sais pourquoi j'ai fait ça! Nigo! Ah, désolé, d'accord, que tu puisses pas prendre. C'est pas à moi que tu parlais, d'accord. Hein? Pourquoi je fais ça? Enfin, si, je sais très bien pourquoi je fais ça, c'est que j'ai chaud, mais. Bref. Même pas censé. Il m'a fait peur, celui-là. Allez. Ça va bien se passer. Hop là! Non! J'ai voulu me baisser et j'ai oublié. J'ai voulu sauter et j'ai oublié aussi. Tu nous fais un striptease? Non, parce que j'aime ce t-shirt. J'ai envie de le garder. En plus, il y a Mario et les lapins en crétin en promo. Mario et les lapins crétins, il est cool comme jeu. Hein. Et il est vraiment pas facile. Enfin, il est vraiment pas facile parce que il est très. C'est peut-être un peu dommage pour un tactical, mais il est très soumis à l'aléatoire, je trouve. Aïe.
Après, c'est con, mais Mario Kart, c'est pareil, hein. C'est un jeu de voiture, mais qui est très soumis à l'aléatoire avec tous les bonus qu'on peut avoir. Mais c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans un tactical, qui est en plus un genre de jeu qui est plutôt pris. Le tactical, c'est plutôt prisé par les hardcore gamers, donc c'est assez rare de voir de l'aléatoire dans un tactical. Mais enfin, franchement, c'est rigolo, c'est bien fait, c'est bien. Enfin, je crois que ça doit être le seul tactical de ma vie que j'ai fini, quoi. Parce que même Advance Wars, je ne l'ai pas terminé. Minecraft sur Switch et la mise à niveau gratuite vers la version 2018. Ah! Faut que je le fasse alors parce que je l'ai la version Minecraft. Enfin, je l'ai la version Switch de Minecraft plutôt. Ah, d'accord. Bon, je le fais pas tout de suite alors. Peut-être. Brichoco. En plus, le DLC avec Donkey Kong va faire la moitié. Ah, carrément, ça fait l'équivalent de deux mondes. Ah ouais, déjà qu'ils avaient fait déjà des DLC avec des défis super hardcore. Déjà que le jeu, comme je disais, n'est pas simple de base. Bon après, je vous avoue que j'ai bien aimé, mais pas au point d'acheter les DLC. Alors, enfin, les défis difficiles, de toute façon, je les ferai pas, quoi. Déjà, j'ai pas fait tous les défis qu'il y a à l'intérieur. J'ai fini le jeu, enfin, j'ai fini le mode histoire et tout, mais. Mais pas le. Oh putain, je l'ai utilisé pour rien. C'est pas grave. Mais voilà, peut-être que je prendrai le DLC Donkey Kong parce que là, il y a vraiment des nouveaux personnages avec des nouvelles capacités et compagnie. Mais bon, il y a un nouveau pan de scénario a priori. Mais après, je l'ai pas aimé au point de prendre les DLC qui sont déjà sortis avec soit les nouvelles armes, soit avec les défis hardcore. Niveau défis hardcore, il faudrait déjà que je termine ce qu'il y a in-game. Mais c'est vachement bien fait. Et en fait, c'est marrant de voir à quel point les univers des lapins crétins et de Mario s'imbriquent bien, quoi. On arrête de rêvasser. Là. Attention, là ensuite, on n'oublie pas de monter. Et là, il va falloir remonter encore. Redescendons. Remontons. Hop là. Ah! Ça y est. Alors là, par contre, je préfère toujours commencer en bas. Brichoco, le bloc bizarre dont je parlais, après le reste du jeu, ça a l'air stable. Il y a de l'aquatic update et des commandes qui sont finales, qui avaient dans l'une première version en plus compliquée. D'accord. Bon, là, bizarrement, je dirais que je suis un peu occupé pour aller voir le lien, mais j'irai voir. Hop.
Non! Il y a beaucoup de choses à gérer, je trouve, dans ce... avec ce mini-boss. Ça assez chaud. Allez. Là, les voitures vont apparaître en bas. Quand je suis au plafond, j'ai une mauvaise gestion des sauts. Ça, on peut pas dire le contraire. J'ai une mauvaise gestion de la hauteur du saut. Ok, je veux bien que tu le mettes sur Discord, merci. Ah là, on rush. Freiner, pourquoi faire? Oh putain, d'accord, ça. Je voulais pas faire ça. Eh ben. Ah, oh non, sur la dernière bouche quoi. Je suis un peu deg, pour être honnête. Aïe, non. C'était une mauvaise idée. Je hais cette boîte là, la boîte à diable. Enfin non, le pire, c'est eux là. Les bisous. Là, cette partie-là, ça va grosso modo. Bon, le tout c'est de pas rusher comme je le fais, hein, mais bon. Ok, ça va. Tiens, prends ça et ça. Yes. Bon, merci, je suppose. Je déteste. Oh bah salut, bon stream, I love your smile, merci d'être passé. Et à bientôt, et bonne nuit, bon week-end, du coup. Moi je suis en long week-end depuis un moment maintenant. Si on peut appeler ça un week-end. Mais du coup, profite bien. D'autant plus si t'as été en. Si tu as été d'astreinte cette semaine. Ouais, là je voyais pas comment j'allais m'en sortir.
Brichoco y va également. Ben, merci à toi aussi d'être passé, Brichoco, et à bientôt. Peut-être à demain, du coup, parce que je stream aussi demain. Et après, il me tarde vraiment de reprendre le Nintendo Labo. Si vous saviez à quel point j'ai envie de faire du Nintendo Labo. Ok, tout va bien, presque bien. D'accord, mais je faisais comment moi là? Run and gun! Bon, ça va, le stream n'est pas trop lassant? Attends, j'ai fait un niveau tout au début. J'ai fait le mausolée quand même. Hop là. Aïe aïe aïe. Non. Ok. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Aïe. Oula. Cet œil me fait un peu de peine. Putain, il y en avait un autre. Il y en a un autre! Il y a un autre tuba! Non! Pourquoi? Pourquoi il y a un autre tuba? Merde! Et puis là, ça y est, je perds complètement mes repères, tout va bien. Attendre. Parfait. J'avais oublié que j'avais ça. J'avais complètement oublié qu'il y avait un dash. Putain, Kalten réapprend à jouer, quoi. Comment j'ai fait pour esquiver les coups, là? J'ai pas compris ce qui vient de se passer, mais bon.
Oh non. Kalten qui commence à faire n'importe quoi. Forcément. J'aurais dû fermer ma gueule, je crois, au tout début quand j'ai dit, eh, mais finalement j'avance plutôt bien. Je vais essayer de le battre sans. Ben voilà. Comme ça j'en garde un. Puis je vais en avoir besoin de plein. Putain, elles ont l'air gentilles les étoiles en plus. Je croirais pas en les voyant que ce sont des connasses, quoi. Alors, je vais garder le reste, je crois. Yes. Voilà. Yes. Yes. Non, attends. Oh putain. Yes. Vite, non! Il y en a un troisième. Pourquoi ça m'étonne même plus? J'ai mes moyens. J'allais dire, il est bientôt vaincu là, de toute façon. Oh là là, la perte de moyens totale. Voilà. Bref, on va recommencer. Pour la je ne sais pas combientième fois. Oh putain, j'ai sauté en plein dessus. En fait, je crois que je vais garder. Ouais, non, je vais pas garder ici les. Vaut mieux pas trop traîner ici parce que ces espèces de lèvres, c'est. Ça fait. Merde, je regardais pas l'écran, bien sûr. Ça fait partie des trucs qui me retirent à chaque fois le plus de vie, quoi. Non.
Bien. Nous avons. J'en ai que deux, hein. Des points de vie, c'est pas énorme. Non. Alors là, c'est pas terrible. Aïe. Ça, c'est bon. Non, justement, non. Celui-là, en fait, il est pas très compliqué. Il suffit de rester. En fait, il suffit de respecter ce que j'allais dire, c'est-à-dire quand on voit qu'il prend sa respiration, faut pas sauter. Mais c'est vrai que. C'est vrai que parler en jouant, ça te déconcentre vite. Hein. Oh putain. Je sais pas si c'était évitable ça. Ouh. Merde! Mince! Saperlipopette! Allez. Prends ça et ça! Non. Le tout, c'est contre la porte, ne pas se prendre les bisous. Bon. Si jamais je pouvais ressortir de ce passage-là avec 3 points de vie, ce serait génial aussi. Génial. J'aime. Non, non, non. Viens par là, voilà. Merde. C'est bon. Merde, il était plus là déjà.
Pourquoi j'ai sauté? Ah, quelle voix virile. Pourquoi j'ai sauté? Ah, je suis débile par moment. Non, j'avais trouvé le coup de main. Attends, je suis arrivé dans cette zone, je suis arrivé jusqu'au troisième saxophone alors que je n'avais qu'un point de vie. Si ça, c'est pas commencer à avoir le coup de main, je sais pas ce que c'est. Ah! Wow, 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 on se calme les gens. Oh putain. Tout va bien dans ma vie. Allez, tiens, mange des petites boules d'énergie. Ah, mais le stress, quoi. Je suis sûr que ce jeu est à l'origine de quelques dépressions nerveuses. En fait, il fallait pas que j'arrête de jouer à ce jeu. Ou alors, fallait que je me fasse une séance de révision, quoi. Révision de Cuphead. Pour l'épreuve de bac de Cuphead. L'épreuve que personne n'aime, tu sais. Eh mince. Ouais, alors ça, on va attendre. Non. Mais. Le jeu m'a bloqué en dessous. Oh, la justice. C'est bon. On est pas mal parti. Premier saxophone s'est passé et j'ai toujours mes 3 points de vie. Mais Kalten, qu'est-ce qui se passe? Non, merde.
Non, c'est bon. Non, toujours pas. Bon, bah, je n'ai plus mes 3 points de vie. Bon, j'ai envie de dire, ici, 2 points de vie, c'est encore acceptable. Hein. Il me reste un gros laser. Ah, un point de vie. Non! Je me suis trompé de bouton, j'ai fait un dash dans le vide au lieu de tirer. Non mais canard. Wouhou! Oui. Ouais, attends, c'est un peu la merde là. Oh non! Ça, c'était dégueulasse. Bon, 2 points de vie pour le passage des étoiles. Oh putain, on sent le rien à foutre dans ma façon de jouer. Bon, le fameux passage des tubas. Aïe, un seul point de vie. Et j'ai 3 lasers. Ça, par contre, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle même. Fait qu'il n'y ait rien après le troisième tuba. Non mais c'est quand tu veux que tu meurs. Voilà, on est d'accord. Oui. Oh. Encore des trucs. Oh, bah oui. Encore un mur. Et je suis mort. Un peut-être quatrième tuba ou un boss. Un deuxième mur. Mais y a pitié un peu quand même, non? Aïe, je l'ai tellement vu venir.
plus qu'un seul point de vie. Ça, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Je crois que j'ai bien nommé mon live. Non, attends. Attends, attends. Voilà. Allez. Ça va bien se passer. Si. Putain, depuis quand un bruit ça te fait mal quoi? Bon, en vrai, oui, un bruit ça peut te faire mal. Mais... Bouah! Wouah! Oh putain. Oh merde, j'aurais dû garder mon... Ah non! Oui! Oui! Je peux y aller comme ça, c'est sûr? Fais une pause avec Binding of Isaac. J'adore ton humour, si tu savais. Je crois que j'ai récupéré toutes les pièces, hein. Skill level, c'est plus Paris. Ah, c'est ça, c'était Paris, le nom des sauts à faire. Mais du coup, Paris, il fallait que j'en fasse 3. J'en ai fait aucun, mais ouais, du coup, c'est sur les ennemis. J'en ai pas fait sur les ennemis, j'en ai fait uniquement sur les cartes. Et je crois que là, il y a ça que j'ai pas fait non plus. Firefrolic. Et je pense que si un jeu, on va peut-être se laisser là ensuite. Parce que si ça me prend encore une heure, merci quoi. Il est trop mignon le dragon quand même. Ouais, tu te calmes par contre, dragon. Ouais, Ouais, hein? Merde.
Oh! J'avais pas vu que j'étais à... Qu'est-ce que c'est? GG. Ah, merci. Merci pour les clips, LG. Ah, tiens, salut Akia, comment ça va? Ça va, ça. Ça va? T'arrives au bon moment en fait, t'arrives au moment où je démarre juste un nouveau niveau parce que je viens enfin, après 1 heure d'essai, je déconne pas, j'ai mis plus que ça, j'ai mis quasiment 1 heure et demie pour terminer un niveau. Je crois que j'exagère pas, attendez, je stream depuis 1h32, le temps de faire le mausolée en avant, ça m'avait pris 5-10 minutes, pas plus. On sent le désespoir dans le regard de cet homme. Mais en même temps. Hey, là, franchement, je suis arrivé loin. Pour un premier essai, je suis arrivé vachement loin, je trouve. Aïe. Ouais, ça se sentait venir, que j'allais me faire prendre à un moment. Voilà, bien joué. Alors là, c'est marrant parce que je sais pas du tout où est-ce qu'il faut frapper. Ah, je crois qu'en fait, il faut frapper juste son cou, en fait. Si on frappe le coup, ça marche. Parce que tout à l'heure. Ah! J'essaie de choper les cercles rouges. Enfin, rose. Faire des paris dessus. Merde. Et une deuxième photo sur le Discord. Encore? T'es sérieux? Ouais, là, ça se sentait venir. Ah! Ouais, mais... Merci, je faisais comment, là? Salut, Idol. Ben, merci d'être passé. Puis, bonne nuit. Et puis, merci pour le bon courage. Je vais en avoir besoin. Donc, ouais, je pense que j'arrêterai après avoir fait ce boss. Mais bon. Je pense que du coup, on va rester encore un moment ensemble. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Oh non! Je lance pour rien là! Hop là. Ils sont un peu plus méchants là. Oh non. J'étais arrivé tout près de la dernière transformation quand même. Le contexte est toujours important. Pourquoi? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Je sais plus ce que j'ai dit.
Allez. J'étais trop bas. C'est sûr que j'allais me faire prendre un Bah je crois que ouais j'arriverai jamais à me défaire de ce genre de lapsus. On peut dire que je sais lapsuser. Putain. Oh non! Oh mon dieu, LG, tu as clippé. Oui, il y avait un truc. J'avoue qu'il y a un truc, mais là, cette fois, c'était pas un lapsus, c'était un peu plus volontaire quand même. Hop! Oula. Ouais. Ok. Deux points de vie. Ça me paraît parfaitement jouable. Du moment que je ne me foire pas. Ça par contre je clip. Putain, si tu dois clipper toutes les conneries que je dis. Non mais... J'aime pas trop ces... Enfin... C'est la puce. Je vais clipper l'ensemble du replay, c'est ça. Arrête de me toucher avec ta... Non, rien. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un nouvel arrivant. Salut Victor. Bienvenue sur le stream. Pour me voir en train de perdre mes cheveux. Hein. Tu te calmes. Ouais, là c'est... Là j'ai fait n'importe quoi. Bon là je terminerai pas hein, mais au moins que je m'entraîne. C'est bon. Thank you.
Donc nous avons un nouvel arrivant qui ne parle que par émote. Je note. Oui, c'est ce qui a failli sortir, mais déjà que il y a deux zigotos qui s'amusent à faire un clip avec tout ce que je dis de tendancieux. Si tu veux, j'ai pas envie d'en rajouter. Hop là. Non. Oh putain, mais ça, je suis très triste que tu aies pas fini cette phrase qu'elle t'aime. Au moins, avec ton stream, je peux utiliser contexte. Oui, je suis un garçon très contexte. De toute façon. Et ce que je dis est très contexte, toujours. Si j'ose dire, c'est compliqué à gérer quand il utilise ses boules de feu et sa queue en même temps. J'ai eu envie de préciser ses boules de feu. Parce que bon. Oh oui, c'est difficile de gérer quand il y a sa queue et ses boules en même temps. Ah bah ouais, on va clipper. Pas évident à gérer ces petites flammes là. Oh? Oh? Ah bah ouais, j'allais te le dire. Bien chef, je clip à vos ordres. C'est pas très gentil. Là, c'était moyen. T'es un peu méchant quand même. T'es un peu méchant. Ah! J'adore le design de ce boss quand même. C'est un dragon tout ce qu'il y a de plus classique, mais il est classe quoi. Aïe. Wow. Hop là. Ça va, ça se passe bien. Mais qu'est-ce que...
Je n'ai plus que 1 HP. Voilà, monsieur, j'utilise les deux tiers de l'écran. Ah ouais, faut éviter en fait de toucher les boules de feu. De tirer sur les boules de feu parce qu'elles explosent sinon. Sinon, Victor, ça va? Ouais. J'avoue que c'est assez difficile de réagir sur ce que Victor dit, vu qu'il parle que par émoticône. Une poésie est une finesse. Merde. Putain, et en plus, je l'ai pas encore beaucoup touché. Hein, dans sa dernière phase, je crois que je vais vraiment chier. C'est bon, ça passe. Bon bah, je n'ai plus qu'un HP, hein. T'as un Asus... Oui. Asus Republic of Gamer, ouais. Bah disons que pour le traitement vidéo, je voulais un truc qui soit quand même puissant au niveau de la carte vidéo. Enfin du processeur. C'était un ordinateur qui était pas mal en tant que compromis entre les performances vidéo et le prix. Parce que avec mon ancien portable en fait. Le truc, c'est que j'avais... Je me concentre un peu. Hein. Merde. Voilà, je me suis concentré. Pour une vidéo, du coup, sur YouTube de... une demi-heure à peu près, le traitement après le montage, ça mettait environ, sans déconner, 4-5 heures. Alors, je voulais vraiment un truc qui soit puissant sur le vidéo, et là, bon, bah... Je suis très satisfait avec ce que j'ai maintenant, quoi. Merde, j'avais pas vu sa queue. Oh, ouais, c'est mort. Les MSI sont bien dans le genre aussi. Ah, j'ai jamais testé les MSI. Ah non. Je l'ai vu venir celle-là. Je l'ai pas vu venir celle-là. Ce que Victor a fait aujourd'hui, je crois que ça va être Kappa, et puis c'est tout. Et puis ensuite, je connais pas le nom des autres émotes de Twitch, puisque je les utilise jamais, mis à part Kappa. Pas très fan des émotes de Twitch, en fait. Pourquoi j'ai fait ça maintenant ? Et non, je ne suis pas allé à la fête de la... Enfin, si c'est à moi que tu parlais, non, je ne suis pas allé à la fête de la musique. Je cicatrise.
Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui j'ai un grand pas qui a été fait dans ma cicatrisation. Donc je suis content. Non. Yes, c'est bon. Un grand pas. Oui. Disons que... Bon, j'ai pas... Disons que les... On va dire que les pansements sont plus propres. J'ai pas trop envie de... Trop rentrer dans les détails en stream, mais... La... Donc la plaie qui doit cicatriser est plus propre. Un jour, je me servirai d'autre chose. Je me servirai d'une autre arme. Un jour. Ou peut-être une nuit, au bord d'un lac. Ok, tu vois. Merde, voilà. Tu as pu te déplacer jusqu'à la porte. Oui, mais je... marche normalement, simplement, j'ose pas encore vraiment faire des distances trop grandes. Tu vois. Oh oui, c'est un pari. Oh putain, je l'ai pas vu. Je la vois et je... ça ouais, je voyais pas comment m'en sortir là. J'ai eu un accident qui m'a déchiqueté le genou quand j'avais 15 ans. Le jour où mon pansement était clean, j'étais heureuse. Tu m'étonnes. Non, Victor, tu... Tu peux utiliser des mots. Parce qu'on a aucune idée de ce que tu veux dire en fait. Aïe, tant pis. Non, sérieusement. Je vais faire retry directement là, c'est pas possible. Cette musique va me rester en tête. Grave. C'est pas la super attaque, tu vas mourir après. Bah ouais, enfin faut choisir en fait quand la faire. Je pense qu'il faut vraiment faire gaffe au fait qu'il y ait bien un nuage derrière qui arrive, en fait. Mais merde. Mais en l'occurrence, la deuxième phase, elle est vraiment, je la trouve vraiment chaude, donc... J'aimerais bien faire la super attaque quand même. Le truc, c'est qu'il faut vraiment que je me concentre pour bien avoir en tête le bon moment. Putain, deux fois se faire toucher par la queue. Là, par exemple, il y en a un qui arrive. Eh ben, vous êtes bien calme. Ah ben, fallait demander. Eh mince. Tu nous bénis d'avoir choisi Cuphead, hein. Oui. Non, en vrai, il y avait très longtemps que je voulais le continuer, ce Cuphead. De toute façon, c'est combien ça fait.
J'avais déjà fait 3 lives sur Cuphead avant, c'était pareil. Hein. Du die and retry dans le plus pur des arts. Hein. D'ailleurs, Akia, t'étais pas arrivé sur la chaîne, toi, si quand j'ai fait mes premiers live Cuphead. Non, je crois que c'est le premier live Cuphead que je fais sur Twitch. Là. Alors, Dodrio. Aïe. Qu'est-ce que... Wouah. C'est chaud. Hein? Ah, Victor est peut-être par là peut-être français. Dodri, j'ai recraché mon eau. Eh, franchement, moi je dis j'ai pas tort dans cette comparaison. Tiens d'ailleurs, à propos de Dodrio, je compte reprendre mes Let's Play 3DS demain. Donc, Fantasy Life et Pokémon version Lune. Je sais, LJ va dire, je te l'avais bien dit. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train de me concentrer. Mais oui. Du coup, il y aura du Fantasy. Demain, il devrait y avoir du Fantasy Life et du Pokémon version Lune. Et voilà. Je sais pas encore lequel sera l'après-midi et lequel sera le soir. Est-ce que... Hop là. Nous sommes jamais trop prudents. Et bon dodo Victor du coup. Ouais, là c'était mort de toute façon. Attends, je m'installe bien quand même. Et d'ailleurs, la caméra n'est plus bien mise. On va retry. Non, j'ai pas les yeux qui fatiguent. Non mais c'est sérieux.
Je saute pile entre les nuages, quoi. Donc oui, je t'ai pas demandé ton avis, LG, mais je t'ai nommé Modo comme bah, à la base t'es déjà Modo sur mon channel YouTube. J'ai pensé que... Mort comme ton perso et le respect. Putain, j'arrive même plus à Dodrio, quoi. Ah oui, tu m'as mis au Modo, j'avais pas vu. Oui. Ah, le disrespect, j'adore. Ah! On va retry. Non mais écoute, tous les grands politiques ont fait de la cohabitation. Donc là on fait de la cohabitation chocolatine pain au chocolat. Pour une société égalitaire. Putain, mais je suis vraiment devenu mauvais en fait. Angry Game. Je l'avais même pas... Oh putain. Ok, ça va le faire. Aïe. Enfin, peut-être. J'ai déjà plus qu'un HP. C'est mignon quand même ces bruits. Devenu mauvais. Tu as une remarque à faire sur le verbe devenir. Comment ça se fait que maintenant je me prends tous ces rochers? De toute manière, Caro avait dit la vérité sur les pains au chocolat. Je me souviens plus de ce qu'elle avait dit. Mais de toute façon, Caro dit pain au chocolat. Donc est-ce qu'on peut vraiment recevoir son argument? Moi je dis... Faut écouter ce que a en dire Cyril. Thank you.
Mais j'avais pas vu. Qu'est-ce que j'ai fait? En plus, il y a un signal sonore quand sa queue arrive. Faut que je fasse gaffe au signal sonore en fait. Ah non, pourquoi j'ai fait ça comme ça? Bah oui, voilà. On reparle de l'amendement rejeté si vous voulez. Mais de toute façon, c'était un amendement à la con. Enfin, je veux dire. Le mec, il voulait que soit appelé chocolatine les trucs faits par les assistants boulangers. Les artisans, pas les assistants. Les assistants boulangers. Par les artisans boulangers. Et pain, il voulait qu'on appelle pain au chocolat, du coup. Les ceux supermarchés, donc les trucs, bah ouais, les trucs en emballage individuel, machin là. Mais c'est pas ça la différence entre pain au chocolat et chocolatine, donc non, je refuse. Là, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Ah oui, je me disais bien aussi, vous aviez été sage. Bon. À nous. Aïe! Oh merde, il va cracher du feu! Deux fois! Non! C'était pas mal! Est-ce que je m'offre une pause dessin ce soir? J'ai un cadeau d'anniv en retard à faire. Ah! Ça dépend si tu es fatigué et si tu as des trucs importants à faire demain. Mais bah, tu peux profiter du temps que tu passes sur le stream pour dessiner, bien sûr. Comme ça, tu passeras pas du temps à clipper mes conneries. Merde. Important, non, à part le mémoire, oui, j'imagine. J'avoue que mémoire. Ah, un mémoire, j'ai du mal à me représenter un petit peu la dose de travail que ça fait. Moi, dans mes études, bon, les rapports. Enfin, voilà, c'était juste des rapports qui faisaient une. Je crois que j'ai jamais dépassé les 30 pages, quoi. Mais du coup, après, ça dépend de dans quel domaine on est. Je sais que moi, l'informatique, c'est ça, c'est juste des rapports et qui sont généralement pas trop longs. Après, il faut dire ce qui est. Peut-être que ça vient de nos profs aussi qui. On sentait que bon. Ils étaient. C'était plus des chercheurs que des enseignants. Et bon, ça sentait qu'ils voulaient pas passer 3 ans à lire des rapports dans tous les sens, putain.
Ouais, là c'était couru d'avance. Ah. 100 pages d'arguments sur un sujet, ton intro minimum 5 pages, conclu pareil, développement entre 70 et 80, biblio de 10 pages. Bah, c'est anglais, spécialité civilisation, donc histoire en recherche. Ouais, j'imagine que c'est énormément de boulot. Parce que nous, bah du coup, le truc c'est que c'était un rapport sur... généralement sur le code qu'on avait fait, donc il y avait le rapport, mais il y avait aussi le code informatique qui était rendu. Peut-être j'avais pas remarqué que la tour elle pivotait au centre. Je trouve ça classe. Merde. Moi j'ai Civilisation 6 mais je le laisse en français. Pourquoi j'ai rigolé? Pourquoi? Mais pourquoi j'ai rigolé? J'ai pas Civ 6, j'ai juste le 5 et Beyond Earth. Eh merde. Hop là. Vous êtes bien trouvés tous les deux, j'ai l'impression. Non mais non, le retry, y a pas moyen, je retry là. Now go. Merde de... Flûte. Même pas essayé de le chercher, je ne l'ai pas trouvé. Oh mon dieu. Mais non. Celui qui m'agresse avec sa légende de pain au chocolat. Quelqu'un en mode désespoir. Un peu. Pas d'agression, c'est juste la correction. On sait tous que chocolatine est le vrai mot, oui. Mais en plus, historiquement, c'est le plus ancien, donc... Donc voilà. On disait chocolatine avant de dire pain au chocolat, donc... Ha! Oh.
Merde, je croyais être sur le nuage. Ok. Nuage peut-être. Putain. You died. Confirmé être des dinosaures qui n'évoluent pas en fait. Non. Non, c'est bon. Je pensais pas ne pas me faire toucher là quand j'ai vu sa queue surgir. Et voilà. Quand tout le monde sera en PLS à cause de cataclysme, on sera toujours là. J'aurais pas dû. C'est bon. Bon. Deux points de vie, j'ai connu mieux, mais bon. Ah. Un point de vue, c'est clair que j'ai connu mieux, oui. Merde. C'est quand tu veux, dragon. Merci. Non! Je vais méga évoluer ton soi-disant pain au chocolat. De toute façon, si pain au chocolat et chocolatine étaient des Pokémon, chocolatine serait l'évolution de pain au chocolat. On est d'accord. Putain, il fait mal à chaque fois avec sa queue. Et merde. Non mais ne me fais pas. Je dessine ce soir. Ce serait deux Pokémon différents, STP, si tu veux.
Avec pain au chocolat qui serait type ténèbres et... Et chocolatine qui serait type fée alors. Bon, j'ai mes 3 points de vie et on arrive à la phase 2. C'est pas mal. Aïe. Ouais, là, non. Mais que de... D'où que tu es sauté aussi haut? Pourquoi t'as sauté aussi haut, toi? Putain, ça y est, j'ai plus qu'un, quoi. Deux Pokémon différents, je dis... Mais Et toi que c'est... Le plus ancien, c'était Chocolatine. Du coup, c'est l'ancêtre et le pain au chocolat et sa forme évoluée. Non, mais tu sais, s'ils sont de... Non. C'est comme ça avec les Pokémon bébés qui sont apparus... Qui sont apparus de temps en temps. En fait, c'est le plus récent qui évolue en le plus ancien. Genre comme Pichu qui évolue en Pikachu. Putain, mais... Laissez-moi respirer. Ah oui, il ne faut pas non plus utiliser les petits tirs, enfin les petits tirs, les tirs spéciaux, mais les petits, alors qu'on est en l'air. J'ai dit c'était pour elle, j'étais quoi. Bon cherchage de chat qu'il y a. Alors déjà, LJ, je veux pas faire le brise. Le brise quoi. Rabat-joie, mais déjà, je ne prie pas un dieu viennoiserie. Désolé. Je crois que mon stream qui se finit à 1h du matin, je serai pas très loin de la vérité en fait. Ah! Ça que gênait. Qu'est-ce qui s'est passé? Si, je sais ce qui s'est passé en fait. La commande que j'ai utilisée, c'est pour traverser la plateforme du dessous. Oh, le suicide ou quoi? Mais maintenant, j'arrive à Dodrio assez vite. Enfin, assez facilement quoi.
Mais non! Bon bah si. C'est bon, j'ai l'astuce pour utiliser facilement le méga tir. Non! Pourquoi elle a sauté aussi haut, elle? Ah merde, j'ai raté mon coup. Non, jure Kalten. J'emprunte le chat de mes voisins et puis basta. Akia. Oh putain, j'avais pas fini mon café. Le café froid. Oui, parce que ça mérite bien un mug entier de café, hein, jouer à Cuphead. Non, mais sérieusement. Un café froid. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas, moi ça me dérange pas trop. Après, j'aime bien prendre du café glacé aussi, par exemple. Donc, ça va, ça passe. Bon, j'ai perdu un point de vie, mais je m'attendais à en perdre plusieurs, là. Putain, mais jeu du diable, quoi. La pizza froide, c'est la vie, ceci dit. Oui. C'est pas faux. Oh non, pas tout à la fin.
Elle est dure la dernière. Ça parle de pizza, ce midi j'ai mangé une pizza poire gorgonzola, et bah c'était super bon. Je m'y attendais pas. Putain. Ah putain, je me suis trompé de bouton encore. Enfin non, je me suis pas trompé de bouton, mais j'ai fait une fausse manip. Ah mingam. Tu as avancé au moment qu'Alten, c'est bien, oui. Poire, pourquoi pas. Ah, c'est assez, t'as trouvé ça où? Bah dans un resto, sur Allo Resto en fait, comme j'avais ma maman à manger hier, enfin, j'ai pas mangé ma maman hier, mais j'ai reçu ma maman pour manger hier, on a commandé sur Allo Resto et on a commandé des pizzas, et il y en avait une gratuite pour deux achetées, et donc du coup bah j'avais envie de tester celle-ci. Je me suis dit, bah, tant qu'à prendre une gratuite, du coup, tant qu'à la tester, autant qu'elle soit gratuite, quoi. Et du coup, je l'avais gardée pour ce midi. Oh merde. La pizza ananas, là, je suis pas très fan de l'ananas, tu vois. Sur la pizza, la poire c'était super bon. L'ananas, j'ai déjà mangé une fois et franchement j'avais pas trop apprécié. Après ça dépend de la quantité, merde, la quantité d'ananas qu'il y avait dessus. Mais bon. Ah maman, quel cannibale. J'ai dit j'ai pas mangé ma maman. Oh putain. C'est dur. Aïe. Oui, je fais aïe quand je me prends des coups dans un jeu vidéo. Qui ne fait pas aïe quand il se prend des coups dans un jeu vidéo? Faites de la musique plus scout du monde, j'aurais pu avoir des pizzas à Domino pour pas cher. Oui, sans doute, ils ont dû faire pas mal de trucs, j'imagine. Putain, ça me donne faim, quoi. J'ai déjà mangé ce soir, moi. Non, mais ce stream, je l'arrêterai une fois que ce dragon sera vaincu, hein. Bon, là, ça va pas être pour cet essai-là, je pense.
Ah! Je fais quand je joue à Mario Party ou Smash Bros. À faire aïe. Oui. Ça va, on le fait tous. Je veux dire, de toute façon, s'il y a des gens qui le font pas, ce sont forcément des gens qui sont totalement dénués d'empathie. On est d'accord sur ce point. Hop là, j'ai failli tomber. J'ai mes 3 points de vie. Assez rare pour être souligné. Aïe. Comment j'ai pris mon coup là? Non! Prépare la nuit blanche, oui. Et de retweeter une promo sur Danganronpa sur Steam. Il y a une promo sur Danganronpa sur Steam. Peut-être un mini espoir pour Cassimette, effectivement. Oh non. Je vais faire un retry. Je fais forcément un retry là, c'est pas possible de commencer comme ça. Oh, je pensais sauter assez loin. Allez. On se met bien. Tout va bien, putain. Quoi, je pouvais pas passer en dessous là? Putain, je fais de plus en plus n'importe quoi. On sait jamais, peut-il y avoir des miracles? Effectivement. En plus, dans mon fort intérieur, je pense que ça peut totalement lui plaire. Enfin, je vois pas pourquoi ça lui plairait pas. C'est bon, là il va reculer. Non, ça va être autour des petites flammes. Elles sont plutôt sympas avec moi là sur ce coup là. Putain, j'ai mes 3 points de vie. Je n'ai plus mes 3 points de vie. Aïe. Ah, j'ai plus du tout mes 3 points de vie là. N'abandonne jamais avant la fin. Pour le mirage, je parlais du fait que tu restartes à chaque fois que tu penses que c'est mort. Mais oui, ça marche pour Idol aussi. Oh, mais regardez, en plus, je lui ai fait 3 dommages, quoi. En fait, je crois que faut
au dragon final là de Drio. Faut pas que j'essaie de l'attaquer avec des petits tirs, faut vraiment que je me concentre à. Enfin, faudra vraiment que je lui balance le méga tir. Parce que sinon je passe mon temps en fait à me prendre les retours de flammes en fait. Des projectiles qui m'envoient. Eh hey, mince. Oh non, j'avais bien commencé. Ah! Dodrio! 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 Aïe! J'ai foi en toi! Oui, j'ai foi en moi aussi! Dès que je réussirai à avoir ce putain de Mega Blast. Face à Dodrio, quoi. Et je pense que j'y arriverai pas sans. Ingé. Non, c'était tellement triste. Ah non. Non, je ne viens pas de mater gratuitement mon cul. Hein. J'avais une étiquette qui dépassait. C'était le moment classe. Ah. Oh putain, j'ai eu un bol monstrueux. Aïe, là j'ai pas eu un bol monstrueux.
Je suis approché trop près ou quoi? La poésie avec Alton Mackenzie. C'est ça. Après, il y a aussi les autres armes, mais je sais pas comment on les utilise en fait. Hop là! Je vais me chercher une glace, j'aimerais bien manger une glace aussi. Mais j'en ai pas. Le bouton X de ma manette Xbox doit tellement me détester. Elles me font peur à chaque fois, ces flammes. Elles sont tellement imprévisibles. Merde! Mince. Glace froide à tous les coups, comme le café et la pizza. Je pense que t'es dans le vrai. Ouais! J'étais pas serein. Oups. Est-ce que j'étais assez... Non, j'étais pas assez loin. Enfin, assez près du bord. Ah, c'est bon. Bon, c'est quand tu veux, dragon, là. T'as deviné. Oh putain, vous me donnez faim. Il est un peu méchant quand même, hein. Ouais. C'était tendu un peu. Eh merde. Merde. This match will get red hot. You're up.
Allez. J'ai encore tous mes points de vie. Croisons les doigts. Et merde. C'est l'amour vache, Kalten. Oh, j'arrive pas. Le truc en fait, c'est qu'il n'y a pas de transformation où je me sens vraiment sécure en fait, où je me dis bon là c'est tranquille, il y a peu de chances que je me fasse toucher, je maîtrise bien quoi. Bon. Parce que même pour la première transformation, je suis encore je suis encore en mode oh trop cool, j'ai pas perdu de point de vie. Aïe. Oh, aïe, aïe. Non. 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 Je suis jamais allé aussi loin, je crois. Je terminerai ce boss. Et merde. Quoi? Mais pourquoi il a sauté aussi haut? J'ai envie d'insulter la maman de ce dragon. Sérieusement.
Putain, j'étais trop. Je crois qu'en fait, je suis trop près de l'explosion, quoi. Ça doit être ça. On a dit pas les mamans. Non, on n'a rien dit. Maintenant, du coup, on peut dire on a dit pas les mamans. Mais je n'avais jamais donné mon accord. Et puis, de toute façon, je l'ai pas insulté, sa maman. Bon. Mais pourquoi? Des fois, je relâche pas le bouton bas quand je me baisse. Du coup, c'est pour ça que je passe à travers le nuage au lieu de sauter. Oh non, mais pourquoi? Si sa maman est une Dodrio, t'es dans le caca. Maman Dodrio. Ça va, Dodrio, c'est quand même un peu un Pokémon de merde. Il me semble. Il y a des fois où il me touche, où c'est tellement injuste. Oh, je suis encore passé à travers, quoi, sérieusement. C'est pas génial, mais ça peut court-circuiter. Oui. Non, en vrai, je crois que Dodrio dans l'animé, il est pas vraiment, il est pas très commode, quoi. Vaut mieux éviter de l'embêter. Eh merde. Je sentais venir que j'étais trop court. Bon, ça va aller l'harcèlement là. Enfin, le harcèlement plutôt. Un seul point de vie, encore. Encore et toujours. J'ai l'impression de voir flou maintenant. Non, j'ai oublié de me baisser. C'est bien, t'arrives de façon consistante à Dodrio. Oui, toujours. Enfin, toujours, pas toujours, mais. Ça arrive souvent maintenant. Mais en fait, c'est les flammes qui. C'est un enfer, quoi, ces flammes. Aïe. Le Dodrio n'est pas très commode. LG, non! Ne mets pas le dieu de l'humour en colère!
Putain, mais si le jeu est entièrement dessiné à la main, ils ont dû se faire chier avec cette tour. Je suis encore tombé à travers. Mais non! Dodrio, Dodrio, Dodrio. Ah! Je suis viril. Peut-être utiliser une base 3D et pris ça comme référence, peut-être. Vous ai-je déjà précisé que ce jeu était quand même assez dur dans l'ensemble. Bon, je suis à 2 HP. Tu fais parfaitement illusion. Illusion de... J'ai pas tout saisi. Ah. Illusion que ce jeu est dur. Oui, non, je fais exprès. C'est... Totalement exprès de me foirer, ça c'est clair. Yes! 3 points de vie! Illusion que ce jeu est facile. Ah! Oui, je trouve aussi. Un tel enchaînement de pro gaming. Non! Oh la connerie! Oh la connerie! Oh la connerie! Ah!
Je ne t'aime pas beaucoup, dragon. Je me mets à un point de vie exprès pour me rendre le challenge plus compliqué. Minuit 20. Je pense que à 1h du matin quand même j'arrêterai. Puis peut-être il faudra peut-être que je fasse une pause naturelle entre temps aussi. C'est quand même diurétique hein, le café. À la demi, je m'autorise une pause naturelle. Pourquoi ? Oui, je vais dodo direct après, je crois. Ensuite, les préparatifs pour les lives de demain, je pense que je les ferai demain matin. De toute façon, j'ai l'infirmier qui vient à 8h le matin, donc j'aurai le temps de préparer tout ça. Oh, putain. J'ai died. Peut-être que ça me fera bien, du bien de faire une pause justement, de reposer un petit peu l'esprit pendant quelques secondes, parce que du coup ça ne durera pas plus d'une minute. C'est con parce que le jeu, comme ça, tu le regardes comme ça, il a pas l'air spécialement dur. Hein. Évitons de se baisser quand c'est pas nécessaire. Merde. C'est pas nécessaire. Merde, je l'ai pas vu ouvrir la gueule, lui. On a compris que qu'il était facile mais que tu faisais style. Bah oui. Après c'est, je trouve que c'est pas que l'aspect mignon justement qui j'ai un dash. C'est pas que l'aspect mignon qui rend le qui montre que enfin qui donne l'impression que ce jeu est facile mais regarde finalement t'as pas énormément de choses à éviter mais en fait, là, pour le coup, c'est vraiment le côté imprévisible du boss qui rend le truc compliqué, en vrai. Bien joué! Re-bien joué! Je
Déjà plus qu'un point de vie alors que je me suis pas tapé encore les flammes. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Comment est-ce que je pouvais prédire qu'il allait sauter aussi haut? Pourquoi il a sauté aussi haut d'ailleurs? En fait, j'ai l'impression qu'il saute à la hauteur à laquelle on est, à un certain point juste avant qu'il ne saute. Genre une seconde avant qu'il ne... À la hauteur à laquelle on était, genre une seconde avant qu'il ne saute, un truc comme ça. Mais en fait, j'arrive pas à vraiment... à vraiment évaluer justement cette durée, parce que je dis une seconde, mais c'est pas vraiment une seconde, c'est je sais pas combien en fait. Pareil pour la direction dans laquelle il saute, ça c'est complètement random. Calmez-vous. Hop là. Bien. Non, pas bien. Je suis jamais arrivé aussi loin. Je sais pas si tu devais pas y aller avant 1h du mat, tu vas craquer sinon. Non, ça va aller. Je fais juste quelques essais, puis j'irai aux toilettes, et puis ensuite, j'essaie encore une petite demi-heure, et puis si ça marche pas, ben, à la prochaine, hein. Bah, aïe, aïe. Après, peut-être que c'est mes voisins qui vont criser. J'avoue. Super attaque égale mort, je dis ça, je dis rien. Non, pas forcément. Maintenant, j'arrive à la gérer, la super attaque sur les nuages. Là, c'était pas parce que j'ai fait la super attaque que je suis mort. Aïe. Ah, il faut se tenir à l'avant du nuage et comme ça, on peut réatterrir sur le même nuage en fait. En maintenant gauche. Yes! 2 HP, je croise les doigts. En fait, la plupart du temps, faut... Disons qu'il faut l'avoir sur la durée, en fait, j'ai l'impression. Ce boss. Enfin, cette forme de boss, en tout cas. Merde. Parce que... Il faut lui tourner le dos. Faut tout le temps lui tourner le dos, en fait, parce que... Ces flammes... Elles nous font très mal. Elles nous font très mal, mais enfin, comment dire. Déjà, il prend la moitié de l'écran. Donc, de base, c'est dur. Et du coup, quand il nous lance un projectile, enfin, là, ces espèces de petites flammes, là, elles apparaissent, elles sont déjà au milieu de l'écran. Oh, putain, j'avais pas vu ça.
Et si elles apparaissent alors qu'elles sont déjà au milieu de l'écran, comme elles explosent quand on lui donne des... quand elles se prennent un coup. Eh ben, on se prend direct le coup, en fait. Je pensais que j'allais sauter plus loin, mais je suis un peu con, il fallait que je dash. J'ai perdu le réflexe du dash. Là par exemple, pourquoi les flammes elles ne sautaient pas absolument pas dans ma direction quoi. Je comprends pas. Bon. Je reviens dans une minute. Le temps que. Hop là. A tout de suite. Et me revoilà. Là, on va pouvoir s'y remettre. Merde. Ouf. Allez, on retry pendant encore 25 minutes. Et on se laissera après.
Ou alors, bah, si jamais je réussis avant, imaginons. Eh ben, j'arrêterai le live. Je vais pas me lancer dans un niveau ensuite en me disant c'est bon, il y en a pour 10 minutes. Mauvaise idée! Encore? Mauvaise idée. Bon bah du coup... Un HP. Pourquoi tu as sauté comme ça? Et merde. Sérieusement. Ready? Well up! Pourquoi j'ai sauté... J'ai sauté pile entre les nuages, quoi. Pourquoi ça marche pas? J'arrive plus à passer ça sans me prendre 2 ou 3 dégâts, quoi. Pardon. Hop là. Eh merde. Oh oui. Oh non. J'ai fait n'importe quoi.
Ça va bien se passer. Putain, tout à la fin de la première phase, quoi, il m'a mis une chiquette. Pourquoi? Bon, Dodrio. Bon ben plus Dodrio. T'as retrouvé ton chat, ça y est. J'ai trouvé la bête. Ah, j'avais. Pourquoi j'ai lu la cible? Laisse-le. T'appeler comme il veut. Donc, en gros, si j'ai bien compris, Akia, pour faire le ménage, tu passes ton chat sur les meubles, en fait. Elle m'a pas touché, vas-y arrête. Elle m'a tellement pas touché. Putain. Exactement, elle passe toute seule. Eh non! En fait, toi, t'as le truc. Genre l'aspirateur autonome, mais évolué, quoi. Le robot aspirateur évolué. Le robot plumeau. Enfin, mais organique celui-là. Wow! Merde. Pourquoi tu as sauté aussi haut, toi? Elle l'aspire juste pas, elle se décharge la poussière dehors. J'avoue que c'est pratique.
Faudrait que je m'achète la même marque du coup de plumeau. Putain. Ouais bon c'est bon. Là c'est bon. Je pouvais pas m'en sortir. Plus que 14 minutes pour réussir ce niveau. Enfin 13 et quelques secondes du coup. Disons que on va dire à 1h du matin je fais un dernier essai. Comme ça il n'y a pas de... d'ambiguïté possible sur la règle que je me suis fixée. J'ai pas réussi un seul pari jump sur ce boss. Hein. Ah, mais pourquoi? Ce jeu du masochisme international, quoi. J'ai mes 3 points de vie. La fatigue d'un homme. C'est un peu ça, oui. Eh ouais. Putain. Tout va bien. Putain. Ouh. 11 minutes. Oh putain. Punaise même. Merde! Punaise, attention les mots. Désolé, je voulais pas être grossier. La prochaine fois, je dis ça per l'hypopète.
Ah ça va l'hippopète. Bon. J'ai encore 2 HP. J'ai 2 Harry Potter, oui, tout à fait. Pute. Enfin, sinon je vais me fâcher tout rouge, sacre bleu. Diantre. J'ai mes 3 points de vie. J'ai mes 3 points de vie. Aïe 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 aïe. C'est bon. Hop là. Oh yes, j'ai encore 2 points de vie pour affronter Dodrio. Ah, j'en ai plus qu'un. Kalten, victime de l'injustice de ce monde. Ça me saoule parce que j'y arrive pas trop mal et j'ai peur de perdre la main ensuite pour le prochain live. C'est le premier live de Cuphead que je pense que je vais terminer sur un échec. So close, ouais, t'as vu. Non! Oh la boulette! Non mais arrêtez un peu. Après, j'ai débloqué un autre pouvoir aussi. J'ai débloqué l'invincibilité. Est-ce que du coup, ce serait pas mieux de se servir de l'invincibilité plutôt que du méga tir ? Oh merde.
Après, le truc, c'est que Dodrio, j'arrive pas encore à voir le. Le gros pouvoir. Là est le problème. Quoi, tu te fais du mal, tu fatigues vers dans ces cas-là, faut lâcher un peu et revenir en quelques jours. Oui, mais de toute façon, enfin moi je me suis dit jusqu'à 1h du matin et ensuite j'arrête. Il est quelle heure là, d'ailleurs? Minuit 57. J'ai fait à 1h du matin, je lance mon dernier essai. Mais en vrai, je vais bien, hein. Enfin, je crois. Dommage. En vrai, je vais bien. On va voir la manette voler. Non, je suis pas du genre à jeter la manette, honnêtement. Ça coûte trop cher. Non, heureusement, je suis quand même plutôt, en général, plutôt bon joueur. Donc bon. Et merde. J'étais beaucoup trop bas pour lancer ce truc. Fred, Twitch et le jeu en mode. Et le jeu. Ah, et le jeu. Et dire que son internet a bloqué. Ouais. Je vais passer 3 ans sans internet là. Dans une cabane, sur une colline, dans une montagne. Le concept d'une colline sur une montagne, j'aime beaucoup. Quick try. Ah. Bon. Il est bientôt 1h du matin. Devient un ermite, c'est ça. Bon, il est 1h du matin, je lance le dernier essai. Bon, faut se rendre à l'évidence, sûrement que je vais pas y arriver, mais au moins j'aurais tenu ce que j'ai dit, hein, on va dire ça. J'aurais tenu parole, voilà, c'est ça que je voulais dire.
Non, pourquoi j'ai pas relâché le bas encore. Je lis plus le chat du coup. Oh, elle en revient dans 3 jours. C'est ça. Oui, c'est ça. Emo. Enfin, même là, c'est pire qu'Emo là. Là, c'est. Ouais, non, c'est Emo en fait. Noté. Non. Bon, c'est pour putain. J'aime bien quand même. Juste un mot sur ce menu quand même. Retry, exit to map ou quit game. Tu as l'option rage quit du jeu quand même directement. C'est parce que d'habitude tu as juste retour à la carte. Là non, tu as directement l'option quand tu perds, quitter le jeu. Direct. J'aime beaucoup, j'ai envie de laisser quand même l'intro, parce que l'intro... J'aime bien. Je crois qu'on l'a pas entendu en live cette intro. Parce que généralement je la mets et ensuite c'est un son de piano et quand je lance le live c'est déjà le son de piano. Don't succeed. Oh ce troll. Don't succeed. Ah, je l'ai trop mal fait. Bon, c'est pas grave. Bon, mais j'espère que ça vous a quand même plu. Même si on n'a pas fait beaucoup de niveaux, du coup, hein, on a fait. On a fait le niveau. Donc, bon, le mausolée, ça a été rapide. On a fait le niveau du coup dans le... Oh là là, ce niveau aussi avec les étoiles et les murs et les tubas. Mon dieu, c'était tellement drôle. Ça fait quand même une bonne soirée. Ben, je suis content que ça vous ait plu. Et puis, bah, on se retrouve. De toute façon, si jamais vous êtes là demain, n'hésitez pas à passer. Je fais les lives Pokémon et Fantasy Life. Ce sont les premiers lives d'ailleurs que j'avais lancés quand je me suis remis à faire des lives de manière régulière. Peu de niveaux, mais beaucoup de clips. Vous en avez fait combien? Vous en avez fait beaucoup, c'est vrai. Et je pense que là, ce stream, il aura bien boosté mes stats, surtout par rapport à ce matin, en fait, je crois. Il y a eu très peu de monde ce matin. Il y a eu Brichoco. Et puis sinon, il n'y a pas eu grand monde. J'ai même pas regardé les stats. Bref. Du coup, bah, n'hésitez pas à passer. Voilà. Je sais pas encore quand est-ce que... J'en profite pour caser ça maintenant. Je sais pas trop exactement encore quand est-ce que je reprendrai les let's play sur ma chaîne YouTube. Je sais pas quand est-ce que je les relancerai, mais bon, ça ne devrait pas tarder. Là, je commence vraiment à pouvoir être un peu plus libre de mes mouvements. Du coup, bah, moi aussi, je vous remercie pour ce stream. Hein. Ça a été très sympa de vous avoir avec moi. Pardon. En plus, on a eu beaucoup de monde sur le chat. On a eu pas mal de monde par rapport à d'habitude sur le stream. Donc, ça me fait super plaisir. Et du coup, je vous dis à la prochaine.
4 clips et 2 photos. Bah, génial. Allez, je vous dis à la prochaine et en attendant, bah, bonne soirée et surtout bonne nuit. Ciao.